Avant de commencer, je souhaite remercier Mia Edenberg et Benjamin Shilden, tous deux musiciens qui ont créé la musique que vous entendez. C'est un tapis sonore de fréquences spécifiques qui vont vous permettre d'intégrer ce que je vais vous dire dans le calme, en générant moins de stress. Merci Mia et Benjamin d'avoir mis votre incroyable talent à notre disposition. Ce bulletin d'information sera présenté le dernier jour de chaque mois au point d'intersection entre deux mois pour avoir le résumé du mois précédent et un aperçu du mois suivant. Si vous êtes absolument convaincu que les informations que vous avez glanées ici et là, dans les fils des réseaux sociaux ou de vos youtubeurs préférés, sont la vérité et que vous détenez le savoir, si vous ne supportez pas d'être défié ou de sortir des sentiers battus, ne regardez pas cette vidéo, car vous serez sans doute contrarié. Par contre, si vous n'avez pas peur de bousculer les dogmes, de revisiter les concepts qui ont été jusqu'à présent les vôtres, voire que vous vous attendiez impatiemment d'entendre la vérité avec curiosité et joie, ce bulletin est pour vous. Je participe depuis plus de 50 ans à la diffusion d'une perspective un peu plus vaste de la réalité. Je le fais pour l'humanité dans son ensemble et pour chacun et chacune d'entre vous qui attendez une connaissance libre. Beaucoup de personnes à notre époque manquent du raisonnement qui est nécessaire pour dissocier les faits de leurs propres opinions. Les conteurs d'histoire qui relatent des informations fondées sur la peur, dont ils ne se rendent même plus compte, tellement elle est partie intégrante de nos systèmes, ces conteurs nourrissent votre peur. Et ceux qui transmettent de faux espoirs la nourrissent également. La peur est l'outil principal des contrôleurs. Faisons donc le pari, au travers de ces bulletins d'infos au diapason, d'arriver à dissocier les faits de simples opinions. L'information, appelée complotiste, ne l'est pas. Cette information a toujours été disponible de manière frontale. C'est juste que, jusqu'à présent,
vous ne disposiez pas des clés de décryptage. Dissocions clairement les faits des convictions. Si vous avez oublié de faire sonner votre alarme, eh bien, l'heure est venue de vous réveiller. Voici les infos du point de croisement janvier-février 2022. En 2022, les changements climatiques vont s'intensifier. L'agenda climatique devrait suivre et remplacer celui de la pandémie. Puisque maintenant le pass vaccinal est devenu légal, l'agenda climatique, qui en est la suite, va être déployé. Le but est de parvenir à un développement durable à faible émission de carbone. La fin de ce programme est prévue pour 2024. Vous en êtes les témoins. L'Antarctique et le pôle Nord sont en train de fondre plus vite, le climat s'adoucit et ils ont reçu les premières pluies. De grands pans de glaciers s'effondrent et disparaissent, les niveaux des océans augmentent, ensevelissant les côtes. Les plantes poussent plus tôt dans l'année et meurent plus vite. Les animaux ressentent ces changements beaucoup mieux que les humains, par exemple les animaux sauvages du parc national de Yellowstone aux USA, comme les yaks, partent en grand nombre. Des poissons qui vivent normalement dans la profondeur des océans sont retrouvés en surface. Tout l'environnement terrestre, toute la planète, est impacté, comme vous le savez déjà, par l'eau, le feu, l'air et la terre. Vous pouvez prévoir des orages violents et des pluies abondantes, accompagnées de fortes inondations, des météorites, de la neige et du froid glacial, des volcans qui se réveillent, des incendies de vastes régions, des tornades, des tsunamis, des tremblements de terre de très grande magnitude. Permettez-moi de rappeler ce qui a été préconisé depuis maintenant plus d'une décennie. Éloignez-vous du littoral, préparez-vous et protégez-vous à l'avance. Développez vos capacités à survivre dans la nature. Élaborez des itinéraires de retraite optimisés et entraînez-vous à les suivre. Faites vos stocks de survie. Les catastrophes dont vous êtes les témoins ne sont pas naturelles, ni d'origine humaine. Elles ont une autre origine. Ce thème sera le sujet du prochain documentaire didactique qui est en préparation, intitulé « La Reine Rouge ». Abonnez-vous si vous souhaitez pouvoir en bénéficier. Une partie seulement des factions de ce que vous appelez la Kabbale a été arrêtée. Les chefs de factions, comme dans un troupeau qui doit avancer coûte que coûte, préfèrent sacrifier une partie des membres. Ils abandonnent les faibles, les malades, les plus corrompus ou ceux dont ils n'ont plus besoin, et ils en envoient aussi dans l'espace.
ceux que l'on pourrait nommer les super-contrôleurs ou les méta-contrôleurs qui se trouvent au-dessus des contrôleurs que vous connaissez ne se sont pas rendus, ni en Antarctique, ni ailleurs. Ils sont toujours au pouvoir, mais ils dirigent le développement des sociétés terrestres de manière éthique et spirituelle et s'orientent davantage dans cette direction. Mes contacts extraterrestres, lorsque nous en avions parlé en 2018, m'avaient dit qu'ils ne se rendent jamais. Ils préfèrent mourir et tout emporter avec eux, la planète y compris, plutôt que de se rendre. La notion de mort est un concept qui est perçu différemment chez eux. La mort n'existe pas. Les youtubeurs ou autres blogs qui signalent une reddition totale ou le retrait d'un métacontrôleur de la planète ne diffusent qu'une partie de la vérité. Ils transmettent ainsi, sans le savoir, de faux espoirs à des auditeurs qui sinon seraient dans la rue pour réclamer leur liberté d'expression, le respect du libre choix de leur corps, leur liberté de mouvement, leur liberté de penser, au lieu de célébrer une victoire qui n'a pas eu lieu. Ces récits qui vous font vous sentir libre et libéré sont une stratégie mise en place par les méta-contrôleurs. Plus il y a de gens qui pensent qu'ils sont partis ou vaincus, plus vous êtes satisfait et plus vite vous passerez à autre chose et plus vite vous vous rendormirez. Habilité par le cartel des banques centrales, les contrôleurs ont les ressources nécessaires pour infiltrer les deux côtés, en fait tous les côtés de chaque conflit et de les diriger. Par ailleurs, s'il est vrai que les manifestants peuvent faire changer certaines choses et poser une critique à des pouvoirs qui sinon deviendraient de véritables dictatures, il est illusoire de penser qu'ils puissent les supprimer pour les raisons que j'expliquerai dans le prochain documentaire didactique. Abordons maintenant la question du nouvel ordre mondial. Le démantèlement du concept de souveraineté nationale progresse régulièrement dans le monde. Tous les pays européens mettent fin à leur souveraineté. Ils serviront le gouvernement mondial de l'entité supranationale globaliste avec l'Espagne comme noyau de l'Europe, suivi par l'Autriche. Les territoires se rassembleront en quatre grandes unions, EU,
l'Union européenne qui est déjà active, la NAU, l'Union d'Amérique du Nord qui sera rejointe par l'Amérique du Sud, l'AFU, l'Union africaine qui est déjà active, et l'AU, l'Union asiatique qui n'est pas encore terminée. L'Europe sera unifiée sous le bâton de fer de la pandémie et des vaccins. Elle est guidée par le président français qui est actuellement le président de l'Union européenne. C'est le chef de file qui préside cette unification. Pour ce qui concerne les populations, la question aujourd'hui est la suivante. Si les vaccins n'ont pas fait ce qu'ils étaient censés faire, vous êtes-vous demandé ce pourquoi ils sont faits réellement? La dissémination des populations terrestres est réelle et effective. Elle est en cours. Il suffit de faire l'état des lieux. Il y a plus de 10 ans déjà, en 2011, la population en était avertie. Le monde compte aujourd'hui 6,8 milliards d'habitants. Ce chiffre se dirige vers environ 9 milliards. Maintenant, si nous faisons un très bon travail sur les nouveaux vaccins, les soins de santé, les services de santé reproductive, nous réduisons ce chiffre de 10 ou de 15%. C'est-à-dire, en 2022, environ moins 800 millions de personnes. Cette question de la suppression de 70 à 90% de la population mondiale, et celle en particulier des USA et de l'Europe, est au centre des réflexions des réunions européennes sur le nouvel ordre mondial. Lorsque nous étudions les graphiques, les statistiques, nous constatons que la létalité a augmenté. Et que la fertilité a baissé. La population de l'Europe diminue comme prévu. Beaucoup disparaîtront d'ici 3 à 5 ans. Le recensement des populations avec la pandémie actuelle est basé sur des données démographiques. Les USA sont entrés dans la phase finale de désintégration. Le dollar américain deviendra une monnaie non conventionnelle et sera remplacé par des crypto-monnaies. Ce changement qui est en cours m'avait déjà été signalé par mes contacts extraterrestres en 2017. Tout comme en Europe, la population diminuera de 70 à 90% d'ici 2030, si rien n'est fait. La Chine est devenue le cœur du déploiement de l'agenda 2030. Il s'étend comme un tsunami lent et irrémédiable.
qui se déplace inexorablement de l'Occident vers l'Orient. Une fois que les statistiques démographiques démontrent que le taux de mortalité en Occident aura atteint la valeur cible prévue, le déploiement des projets asiatiques devrait officiellement commencer. D'ici 2030, 50% de la population mondiale, ou ce qu'il en reste, sera normalement chinoise. D'après une ordonnance émise en avril 2020, tous les pays enclavés de l'Est n'auront plus de mission américaine. L'ordre d'évacuation était formulé en anglais et la déclaration en chinois. Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, qui ont lieu du 4 février au 20 février 2022, sont la seule fenêtre d'évacuation pour les personnes qui souhaitent s'installer en Chine, car ce ne sera plus possible avec la fermeture des frontières. L'ONU, dont le siège est à New York, devrait se déplacer aussi en Chine. Leur immense base de données est déjà achevée à Hangzhou et tous leurs bureaux et personnels s'y déplaceront aussi d'ici quelque temps. Cette année, les Européens et les Américains qui se rendront sur le continent asiatique seront les précurseurs occidentaux de cette nouvelle organisation. L'Espagne et l'Italie sont d'accord avec la vision chinoise. Le seul écart se situe au niveau de la structure du leadership et c'est encore la Chine qui fait le lien entre l'Italie et l'Espagne pour les amener à un consensus. Au niveau de la production d'énergie, la Chine a créé un soleil artificiel 5 fois plus chaud que le soleil actuel. Son objectif est de créer un approvisionnement sans fin d'énergie propre en utilisant la fusion nucléaire. Pour ce qui concerne le ping-pong entre les USA et la Russie, le bouton nucléaire n'est pas entre les mains du peuple. Il est entre les mains des contrôleurs. Les nations et leurs présidents exécutent les ordres. Peu importe si vous résistez et comment, le bouton nucléaire n'est pas entre vos mains. Si le nouvel ordre mondial ne réussit pas, ou s'il ne peut pas être établi, les contrôleurs déclencheront des guerres de zombies suivies d'une guerre nucléaire à grande échelle. L'écho de celle-ci se fait déjà entendre dans le jeu de ping-pong entre la Russie et les USA sur la table de l'Ukraine. Kiev, en Ukraine, anticipe une action des forces armées russes dans le Donbass. Moscou dément. Washington et Londres, de leur côté, ont rapatrié leurs diplomates et l'Union européenne apporte une aide financière et 8500 militaires américains sont en état d'alerte. Les Russes et les Chinois, qui sont en train de se rapprocher, s'opposent fréquemment aux deux extrêmes de l'unipolarité et de l'universalité. Plus simplement, ils pensent que les arrangements actuels donnent trop de pouvoir aux USA et ils sont absolument déterminés à changer cette situation.
ils sont en train de devenir alliés dans le rétablissement de l'équilibre des forces. Si je peux vous donner un conseil, ne vous arrêtez pas aux apparences, que ce soit de droite ou de gauche, des pilules rouges ou bleues, la Russie, les USA, la France et toutes les nations sont tous membres de ce qui est appelé la famille. Si les frères et sœurs ont des opinions divergentes et se disputent, c'est pour que les contrôleurs, les méta-contrôleurs qui sont au-dessus d'eux, puissent atteindre leur objectif. Voilà pourquoi les contrôleurs, les supra-contrôleurs ne se sont pas rendus ni n'ont été détruits, contrairement aux annonces qui ont été faites dernièrement. Ce n'est que la première couche du palimpseste. Il donne les maillons les plus faibles, les plus âgés ou les plus corrompus pour sauver le reste et le redresser. Gardez en tête le concept de palimpseste, composé de multiples couches. Les plus apparentes ne sont évidentes que pour cacher aux yeux des populations qui ne peuvent les voir. C'est la couche verte sur cette image. Il ne faut donc pas vous arrêter à la première couche. L'un des objectifs des métacontrôleurs est de préserver la survie de la partie la plus intelligente de l'Homo sapiens. Des logements dans des bases souterraines sont déjà prévus, notamment en Suisse, mais également dans beaucoup d'autres pays pour accueillir une partie de la population. Il n'y a pas non plus eu d'arrivée récente de vaisseaux stellaires. Ils sont là depuis des décennies. Déjà au mois de novembre 2018, d'après mes contacts extraterrestres, une énorme armada est arrivé d'environ 10 000 vaisseaux extraterrestres appartenant à de nombreuses races qui sont venues à cette époque pour bloquer les sorties et les entrées depuis le système solaire Sol 13, le nôtre, et pour bloquer les allées et venues depuis la biosphère Lune, tout autant que les entrées à partir du Soleil qui est un portail. Il n'y a pas eu d'arrivée d'armada récente, simplement peut-être des allées et retours ou des remplacements de certains vaisseaux. Il n'y a pas d'armada qui serait arrivée pour sauver les terriens, miraculeusement. Au contraire, de nombreuses factions extraterrestres sont parties, lassées qu'elles étaient par la situation terrestre et le peu de volonté des terriens de vouloir changer. L'armada est là depuis de nombreuses années.
les terriens doivent se sauver eux-mêmes ou apprendre à le faire. Parmi ces vaisseaux, une capsule spatiale qui est en service emmène déjà une partie de la population terrestre dans l'espace. Des élites et certaines personnalités y ont une capsule holographique de mise en stase, prête pour le départ. J'amorce cette thématique dans ce bulletin, mais elle sera développée au fil des publications et des documentaires didactiques. Avant d'arrêter la vidéo, je vous propose de faire ce test pour mesurer votre calme ou votre stress. Lorsque l'image ne bouge pas, vous êtes tout à fait calme. Si elle bouge un peu, vous êtes un peu stressé. Et si elle tourne vite, vous êtes très stressé. Avant de terminer la vidéo, regardez cette image jusqu'à ce qu'elle devienne stable ou tourne très lentement. Puis relaxez-vous et retournez à vos activités quotidiennes. Voici la liste des prochaines publications et des projets en cours. Ce bulletin d'information au diapason est terminé. Le prochain sera publié le 28 février. Je suis Tim, votre animatrice de service et l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement, de cœur à cœur.